Les mystères de la vie ont été explorés depuis les tout premiers pas de l'humanité, à travers la mythologie, la spiritualité et surtout à travers l'art. Mais la science aussi a joué un rôle principal dans la résolution de ces énigmes. Personnellement, j'ai satisfait cette curiosité en allant pour la première fois au CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire, en 2015. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer le physicien nucléaire Andrea Latina là-bas. Et on a collaboré ensemble pour World Quantum Dance, mon projet multidisciplinaire inspiré de physique, de mécanique quantique, de danse et d'art numérique. Avant qu'on puisse le présenter à San Francisco en 2017, grâce à Sangam Arts, beaucoup de gens se posaient des questions et se demandaient comment j'allais représenter ces concepts à travers la danse. Les formules de Schrödinger, d'Heisenberg, la théorie de la luminosité dans les collisionneurs de protons, au CERN. Comment pourrais-je représenter une beauté imaginaire, comme l'intérieur du boson de Higgs? Oui, en effet, tout ça fut un vrai défi techniquement. Mais en même temps, pour moi, c'est si évident. Pourquoi? Parce que nous sommes tous faits de réseaux de particules subatomiques, invisibles à l'œil. Des milliards de particules dansant en rythme dans tous les sons de la nature, dans tous les corps de tous les êtres, humains, animaux, végétaux. Tous ces milliards d'interactions, de collisions, de fusions qui vibrent en rythme comme de la danse. Quel est le lien pour moi entre l'astronomie et la danse? Pourquoi des danses tourbillonnantes et pourquoi en duo pour représenter ces phénomènes cosmiques? Avez-vous déjà vu des derviches tourneurs, des danseurs de Saman? Ils sont inspirés par la philosophie et la poésie persane et la musique soufie. Ils dansent en spirale autour de leur propre axe, parfois en groupe autour d'un point central, en rotation. Par exemple, pour symboliser la rotation planétaire autour du Soleil. L'homme est représenté comme lien entre le macrocosme et le microcosme, le céleste et le terrestre. Le danseur tourbillonne, s'envole au-delà des limites de la peau, au-delà de son ego, des frontières, des illusions. Il symbolise l'unité. Depuis le berceau de l'humanité, la pensée humaine a divisé l'unité en dualité. Les hommes de couleur et les hommes blancs. L'homme, la femme, l'un, l'autre. Alors que pourtant, nous sommes tous faits de particules similaires. Nous avons tous la même origine. Nous venons tous d'un même commencement de l'existence. Donc oui, je suis fascinée par la dualité dans les phénomènes cosmiques, ce mouvement qui tend vers l'unité, comme des duos de tango entre deux galaxies qui se rapprochent, ou bien des collisions de deux étoiles à neutrons, ou encore plus mystérieux, la danse fusionnelle de deux trous noirs. Lorsqu'en hiver 2015-2016, le LIGO a annoncé la détection des ondes de gravitation dues à la collision de deux trous noirs, ce fut un événement international. Je dirais même que c'était l'événement le plus important dans la science depuis Galilée. C'était un symbole de paix, en fait, pour moi, parce que beaucoup de gens qui d'habitude ont une différence culturelle, voire religieuse, les gens de différentes nations se sont mis tous ensemble pour collaborer, pour mieux comprendre et analyser ces phénomènes. C'est comme si, d'un coup, cette idée utopique était finalement devenue réalisable. Que oui, on fait partie d'une toute petite particule qu'est la Terre, parmi des milliards d'autres galaxies. Que nous faisons tous partie d'un même corps. Que frontières et limites sont illusions. Qu'on est tous ensemble dans le même voyage, flottant, tourbillonnant dans cet univers. C'est donc de là qu'est né Gravitational Dance, mon projet multidisciplinaire. Encore inspiré d'art numérique, de danse et de sciences physiques. Et cette fois-ci, en explorant davantage l'astronomie.
Aujourd'hui, dans cette situation de crise pandémique et économique, je pense qu'il nous devient essentiel en tant qu'artistes de nous intéresser aux outils informatiques pour continuer d'évoluer tout en s'adaptant aux nouveaux besoins de notre public, de nos élèves. Ça ne signifie pas pour autant qu'on ne peut pas garder son intégrité artistique. Non, on peut rester fidèle à soi avec une expression authentique tout en utilisant une nouvelle palette de couleurs. C'est une vraie occasion de développer son imagination au-delà des limites concevables. Et comme le disait Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir. Le savoir est limité alors que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. Pour moi, c'est dans la nature que mon imagination peut se ressourcer, se développer, créer. Et là, j'ai eu la chance d'obtenir ma résidence artistique dans un lieu parfaitement adéquat à ce projet, car il était à la fois en pleine nature sauvage et à la fois dans un lieu futuriste, innovant, avec une architecture de science-fiction. Et grâce à la fondation Wright, j'ai pu aussi avoir une équipe de 18 personnes, très professionnelles, le matériel de tournage pour la meilleure des qualités et même deux drones et leurs pilotes. J'avoue que c'était vraiment un défi de créer les concepts, diriger l'équipe et en même temps de devoir rester en pleine forme pour pouvoir danser et chorégraphier. La star internationale Shahrokh Moshkin Ghalam m'a fait l'honneur d'être mon partenaire de danse, aussi bien pour ce projet que pour World Quantum Dance à San Francisco. Lui aussi est directeur artistique et vu qu'on a l'habitude de danser ensemble depuis plus de 13 ans, tout était plus fluide et naturel pendant ce tournage. En début 2010, à Paris, avec l'artiste numérique Arthur Le Caron, je commençais déjà à expérimenter le monde de la danse, la musique, avec le monde de la cinétique interactive et sonore. Il y avait un groupe au Japon qu'on a utilisé en tant que référence, mais en fait, ils avaient fait ça avec des sabres et la calligraphie, pas encore avec la danse. Il s'appelait Team Lab. J'ai eu la chance d'explorer avec eux la danse avec l'intelligence artificielle. J'avais déjà commencé cette aventure, mais c'était jamais aussi poussé. Oui, entre 2015 et 2017, lors de mon projet World Quantum Dance, j'étais déjà passionnée par la fusion de tous ces domaines, ainsi que le mapping. Avec l'artiste numérique Ian Winters, on a un peu exploré le domaine de l'incrustation, avec des danseurs habillés en vert et le chroma key. J'ai repris un peu ces techniques pour ce projet de Gravitational Dance, et cette fois-ci, j'ai voulu m'aventurer encore plus loin avec les effets spéciaux, la VFX. J'ai eu l'honneur de travailler avec Dominique Vidal, directeur VFX effets spéciaux à BUF Company à Paris. C'est eux qui ont fait les effets spéciaux de Matrix, Independence Day, Thor et même la série Cosmos avec Neil deGrasse Tyson, qui est un astrophysicien américain. Et grâce à cette expérience, Dominique Vidal est vraiment expert en représentation cosmologique, en plus d'être mathématicien et infographiste à BUF. Et donc travailler avec lui était vraiment une belle expérience. Et j'ai pu davantage comprendre ces phénomènes d'astrophysique. Pour représenter la collision des trous noirs, par exemple, on nous a donc filmé sur un fond vert et bleu, afin de pouvoir faire un travail d'incrustation, avec des calculs très précis d'infographie, avec des disques d'accrétion, des systèmes de particules de matière de fumée cosmique et un effet de verre de réfraction déformant l'espace derrière. On a pu avoir des plans très réalistes basés sur des faits scientifiques grâce aux conseillers astrophysiciens et en même temps quelque chose de poétique et de magique. Si on pouvait placer une caméra qui bouge à la vitesse de la lumière et qui filme cette collision des deux trous noirs, on pourrait avoir à peu près ça, de façon plus créative et imaginaire, bien sûr. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais la chance de créer des nuages cosmiques, des vraies nébuleuses.
Et grâce à Alexis Kiti et à ce logiciel incroyable qui s'appelle Houdini, on a pu pendant des mois s'aventurer dans ses créations avec les formes, les couleurs, les lumières surtout. Ça m'a vraiment rappelé un peu la création de lumière qu'on fait sur scène pour la danse. Sauf que là, on a tous ces outils informatiques où l'ordinateur calcule la densité, la vélocité, la température pour que tout soit vraiment réaliste, mais pour qu'on puisse quand même exprimer notre imagination. C'est vraiment un univers magique. Pour pouvoir continuer cette exploration et continuer ce projet, créer le troisième volet, nous avons besoin de votre soutien. Si vous voulez vous joindre à nous et avoir plus d'informations, s'il vous plaît, cliquez sur le lien ci-dessous. Merci.